Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment faire un premier programme en Java, programme qui va nous permettre d'afficher Hello, hein, juste le texte Hello. Alors la première chose qu'on va faire, c'est on va vérifier que Java est bien installé sur notre machine. Donc dans ma fenêtre de commande, là, dans mon invite de commande, je regarde avec Java-version quelle est la version de Java. Si j'ai un message d'erreur, bah, tout simplement Java n'est pas installé. Je peux également vérifier si le compilateur il est accessible dans mon pass. Et donc là, je vois que c'est le cas. Donc compilateur, c'est Javac avec un petit C. Et il est aussi accessible. Donc partant de là, je peux commencer à faire mon programme qui va me permettre de faire Hello. La première chose qu'on va faire, on va se créer un petit dossier. On va appeler ça PRJ Hello et on va se placer dans ce dossier PRJ Hello. Comme on vient de le créer, il est vide et qu'on ne retient rien du tout. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un Notepad++ et on va créer notre premier programme Java. Alors, tout est classe dans Java, donc on va créer une classe qu'on va appeler Hello. Voilà. On va créer notre classe Hello et dans notre classe Hello, on va créer une méthode publique donc qui s'appelle le point d'entrée qui va être le point d'entrée de notre programme qui va s'appeler main. Donc le main en Java, il prend en argument un tableau de chaîne de caractères, même si on ne s'en sert pas, on définit le paramètre d'entrée. Et ensuite, donc on va écrire donc voilà notre ordre d'écriture du texte Hello, donc system.out. Faire un println pour voilà pour aller à la ligne et puis on va écrire notre texte Hello. En exclamation. Voilà. Et je ferme tout ça. Alors je vais enregistrer mon fichier. Donc pas dans démo mais dans PRJ. Voilà, hello. Je vais préciser que mon fichier c'est un fichier Java. Et je vais nommer mon fichier donc avec une majuscule, c'est très important au début, et je vais lui donner le même nom que la classe. Donc c'est la classe hello. Donc là je vais l'appeler hello.java. Je vais l'enregistrer. Donc là, c'est enregistré. Je regarde dans mon invite de commande. Donc, mon fichier est bien là. Donc, la première chose que je vais faire maintenant, c'est que je vais le compiler. Donc, on va faire un javac hello.java. Donc, voilà. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Hein. Là, compilation a dû bien se passer. Je fais un petit dir et donc là on a le fichier qui s'appelle hello.java qui a été créé. Donc pour exécuter ce fichier, donc je vais dire Java, je vais demander à Java d'exécuter ce fichier-là. Et donc ça m'affiche bien mon texte hello, donc qui correspond à ce qu'on avait demandé, hein, afficher sur la sortie standard le texte hello. Donc, bah, je dirais qu'arrivé à ce stade, bah, on a rempli notre objectif, hein, c'est-à-dire d'afficher le texte Hello sur la sortie standard. Alors, c'est relativement simple. Donc, cette syntaxe de base où on donne la classe, voilà, il faut bien redonner le nom de la classe, ça c'est très important. Il faut respecter la casse, hein, c'est sensible à la casse. Les classes, on les nomme avec une majuscule en première lettre. Et donc après, on aura toujours le point d'entrée qui sera défini de cette manière-là. Et bien voilà, arrivé à ce stade, bah, je ne vais pas continuer plus longtemps. Puis je vais vous remercier pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.